Je désire aujourd'hui discuter avec vous du chapitre 7 d'Isabelle Cerf qui s'intitule « Ma force spirituelle » et à l'appui de ma propre expérience, vous donner en toute humilité mon avis sur le sujet. Aujourd'hui, grâce à la physique quantique et à l'absorption du spiritisme et des sciences occultes dans la case spiritualité vidée de sa substance originelle, peu à peu depuis la fin du XIXe siècle, le spiritisme et par là même les médiums ne sont plus autant marginalisés qu'autrefois. Même si cette science est vieille comme Hérode, elle reste encore balbutiante en termes d'avancées scientifiques, et pour cause. Les scientifiques se heurtent à la source, à la création de l'univers, la plus grande énigme jamais résolue jusqu'à ce jour. Néanmoins, nous savons depuis peu que notre corps est composé de 7 corps énergétiques. Le corps divin, le corps bouddhique, le corps causal, le corps mental, le corps affectif, le corps éthérique et le corps physique. Ces corps, on les associe aux chakras dont on a parlé dans une autre des vidéos et grâce à ces découvertes, mais aussi grâce à des éminents philosophes, penseurs, écrivains, cinéastes, tels que Jodorowsky, Jean-Claude Flournoy, Jean-Paul Sartre, la voyance et les diseuses de bonne aventure ainsi que les guérisseuses ont peu à peu été admises au sein d'une société cartésienne où tout se doit d'être justifié et vérifié. Cela n'empêche pas que beaucoup d'autres intellectuels, notamment les journalistes, se sentent obligés de railler cette science, de nous faire passer pour des affabulatrices schizophrènes ou des gourous malveillantes. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de médiums honnêtes et sincères dans leurs prédictions. Elles avouent simplement qu'elles sont un canal au service des esprits, mais que ça ne les rend pas exceptionnelles pour autant. Qu'elles peuvent se tromper, et cela arrive souvent. Malheureusement pour notre ego, nous ne sommes pas des déesses, juste des sibylles. Et Isabelle Cerf, elle-même, grand médium, explique, page 250 dans son livre, le guide du lightworker, et cela rejoint ce que je vous explique dans ma vidéo « Contact défunt », que malgré sa pratique et son expérience, le médium peut ne pas réussir à se connecter avec l'entité désirée à cause de cette différence énergétique. Mais revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir sommes-nous tous des médiums? Isabelle Cerf ainsi que de plus en plus de médiums nous expliquent qu'en théorie, nous sommes tous médiums. Nous sommes effectivement tous dotés d'un troisième œil et d'un chakra coronal. Mais, parce qu'il y a un mais, sommes-nous tous intéressés par le fait de développer cette capacité et sommes-nous tous capables de servir de canal aux défunts? Quitte à me faire des ennemis, j'en doute fort. Pour exemple, je vais m'appuyer sur une de mes expériences. À l'âge de 4 ans, ma mère, désespérée par mon manque de souplesse, m'inscrivit à la danse classique. Acharnée, j'y resterai 10 ans. Donc c'est bien la preuve rationnelle que non, nous ne pouvons pas tous être un canal. Lire les cartes, oui, mais est-ce que le message délivré par votre oracle ou votre tarot est juste? Cela reste à prouver. Même en tant que médium, nous ne pouvons pas avoir accès à toutes les portes ni à capter toutes les énergies des défunts. Donc, je trouve, et cela n'implique que moi, illusoire, de faire croire aux personnes qu'en se formant ou en s'exerçant, elles pourront accéder à cette capacité. Isabelle Cerf, quant à elle, nous explique que cette faculté inhérente à tout un chacun dépend de 4 facteurs pour se développer. Ces 4 facteurs sont, premièrement, la lignée karmique. Pour ma part, je sais que j'ai toujours été druide ou sorcière dans d'autres vies. Et depuis enfant, je réagis à l'homéopathie, à la lithothérapie et je suis plutôt réfractaire à la médecine traditionnelle. De même que depuis que je suis enfant, je suis attirée par l'Asie. En mettant un pied au sol, mon âme a su qu'elle était rentrée chez elle. Ceci m'a été confirmé par des lectures akashiques. Néanmoins, ma médiumité n'est pas aussi élevée que Patricia Daré ou Anne Tufigo, sur qui je ferai prochainement une review pour ne citer qu'elle. C'est comparable à un mathématicien. Vous avez beau avoir des facilités pour comprendre les maths, entre mathématiciens, on différencie les ingénieurs, des éminents chercheurs qui vont inventer la bombe atomique, par exemple. Cette capacité de médium ne se développe pas de la même façon chez tout un chacun. Passons au deuxième facteur, qui rentre en ligne de compte, c'est justement les vies antérieures. Si dans vos vies antérieures, vous avez développé ces capacités énergétiques, cela a laissé une empreinte dans vos énergies.
Le troisième facteur dépend également de votre ouverture d'esprit. Si vous êtes trop connecté à votre mental ou si vous êtes dans des énergies cartésiennes, vous allez avoir beaucoup de mal pour vous connecter à votre spiritualité. Car il faut bien reconnaître que souvent les médiums sont marginalisés. Tout simplement, on dit « elle, il ne faut pas l'écouter parce qu'elle est perchée ». Ça aussi, j'en ai beaucoup souffert dans mon adolescence. Mais passons au quatrième facteur, qui dépend de l'équilibre de vos chakras. En résumé, si votre taux vibratoire n'est pas assez élevé, vous ne pourrez pas vous connecter à votre force spirituelle. Et c'est tout à fait logique. Les défunts, même pour ceux qui gravitent dans les premières strates, vibrent beaucoup plus haut que nous, humains. Pour que nous puissions rentrer en contact, le médium parcourt la moitié du chemin. Mais le défunt doit parcourir aussi cette distance. Et si à la base, vous ne vibrez pas assez haut, vous ne pourrez jamais rentrer en contact avec eux. Sans omettre le fait, et ça c'est mon avis, qu'un défunt a le dernier mot. Ce n'est pas nous qui décidons de les appeler. Ce sont eux qui nous font l'immense privilège de venir à nous. Passons maintenant à l'exercice. Isabelle Cerf te propose dans son livre un test pour comprendre quelle est la force spirituelle que tu es invité à expérimenter aujourd'hui. Tu peux l'effectuer dès que tu en ressens le besoin. Pour cela, il te suffit de répondre aux différentes questions par oui ou par non. Ensuite, regarde le symbole qui a obtenu le plus de oui pour comprendre ta force spirituelle actuelle. Test, quelle est ta force spirituelle actuelle? Question 1. Ressens-tu comme un feu intérieur? Symbole, un carré. As-tu des réveils fréquents entre 3h et 5h du matin? Symbole, une croix. Es-tu attiré par le pendule? Symbole, une étoile. As-tu régulièrement la sensation d'être observé? Symbole, l'étoile. Ressens-tu les autres au-delà de ce qu'ils te disent? Symbole, un cercle. As-tu des sensations fortes dans les mains? Symbole, carré. As-tu des rêves intenses? Symbole, le rond, le cercle. Aimes-tu les outils spirituels anciens? Symbole, l'étoile. Avances-tu en te détachant de la logique? Symbole, le rond ou le cercle. As-tu besoin d'un outil extérieur pour te connecter à ta spiritualité? Étoile, symbole, étoile. Es-tu connecté à la nature? Symbole, un rectangle. As-tu toujours été convaincu de l'au-delà? Symbole, la croix. As-tu des ressentis forts? Symbole, le rond. Es-tu attiré par les différentes énergies? Symbole, rectangle. Te sens-tu fatigué au contact des autres? Symbole, carré. Ressens-tu les âmes de l'autre côté? Symbole, la croix. Aimes-tu les pierres? Symbole, rectangle. As-tu besoin d'expérimenter différentes facettes de ta spiritualité? Symbole, l'étoile. As-tu besoin de comprendre le lien entre nature et spiritualité? Symbole, rectangle. Ressens-tu les blocages des autres? Symbole, carré. Si vous avez une majorité de carrés, vous avez du magnétisme. Si vous avez une majorité d'étoiles, vous êtes attiré par le pendule. Si vous avez une majorité de croix, vous êtes médium. Si vous avez une majorité de ronds, vous avez de l'intuition. Si vous avez une majorité de rectangles, vous êtes attiré par la lithothérapie.